Nouvel épisode dans la guerre entre Brigitte Bardot et Laïd El-Kébir. Farouchement opposée au sacrifice de moutons, elle vient d'adresser directement une lettre aux musulmans et plus précisément au président du Conseil français du culte musulman, Anouar Bigbesh. Un courrier où la défenseuse des animaux explique qu'il est urgent d'œuvrer à l'apaisement pour ne pas provoquer le rejet et la rupture. Pour cela, elle demande d'accomplir ce qu'elle considère comme un miracle. En clair, se rallier à sa cause et ne pas appliquer le rituel religieux qui doit avoir lieu dans un mois. Je vous supplie d'appeler la communauté musulmane à ne pas faire couler le sang, à remplacer le sacrifice d'un animal par une offrande aux plus déshérités, écrit la présidente de la Fondation Brigitte Bardot. Dans l'immédiat, le CFCM n'a pas réagi publiquement à la requête de l'ex-actrice. Pourtant, cette fois, l'ancienne icône glamour y a mis les formes, contrairement au tweet polémique qu'elle avait posté le 29 juillet dernier. « Attentat, j'ai mal au cœur, à tous mes cœurs, je vomis ces terroristes islamistes, stop à Laïd El-Kébir humain », avait publié celle qui ne cache pas son amitié pour Marine Le Pen. Quelques jours après la mort d'un prêtre égorgé à Saint-Étienne-du-Rouvray, un message qui avait suscité un énorme tollé.